Lorsque nous avons découvert ce poste sur un compte Facebook émanant d'un responsable politique, donc d'un parti politique, nous avons à plusieurs personnes décidé de faire une démarche collective pour montrer bien sûr notre révolte face à des propos aussi haineux, misogynes, sexistes et puis extrêmement insultants, tout d'abord à l'égard de Madame Erignac et à l'égard de toutes les femmes et de tous les hommes et de tous les Corses. Donc nous sommes sentis très très concernés et nous avons donc lancé une pétition, une démarche qui était ma foi fédératrice et qui a rassemblé d'ailleurs un grand nombre de personnes de toutes sensibilités politiques et toutes liées justement par cette notion de stupéfaction et de rejet à l'égard de tels propos.